Ori Didi, original. Amen. Je suis très heureux ce matin d'être parmi vous et c'est avec une joie que je témoigne ce matin parce que le Dieu original a changé ma vie. Amen. Lorsque j'étais venu à Cotonou, j'étais dans des difficultés vraiment que je ne m'en sortais pas. Je ne savais quoi faire. Et j'étais venu sur un programme à Cotonou. Et j'étais venu rester dans la foule et c'est là que papa m'a localisé. Il m'a fait sortir. Et papa m'a donné des prophéties vraiment qui sont très fortes et réelles. Et j'ai confirmé. Il m'a dit, tu traverses vraiment des moments difficiles, surtout dans ton ministère, mais je te donne d'ici le 23 août, je parle de cette année, et tu vas voir un grand changement. Et après, il m'a reçu au bureau, il m'a donné des conseils, je suis retourné. La semaine suivante, en même temps, j'ai commencé par voir des changements. Il est venu au ministère, et la semaine qui suit, ça n'a pas attendu un an, hein, en même temps. Je parle de cette année. Vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu. Oui, je suis pasteur. Vous êtes? Je suis. Vous êtes? Pro. C'est un appel authentique sur votre vie. Mais le seul problème que vous avez, vous avez été trop combattu. Et en retard. Et vous êtes limité en matière de dimension d'onction. Et ça fait que votre ministère est limité. Vous avez prié, vous êtes soumis plusieurs fois pour tes gloires. Mais ça ne répondait pas. C'est vrai. Professeur, vous faites quoi dans le Togo? Oui, je suis au Togo. Vous avez prié le Seigneur. Mais quoi d'ailleurs? Pour que Dieu étende vos limites en matière de dimension d'opération. C'est vrai, papa. En matière de dimension d'opération. Parce que vous vous voyez limité malgré que vous priez. Malgré que vous priez. Vous êtes limité. Parce que chaque fois que vous intercédez pour quelqu'un et qu'il y a une réponse, la personne vous tourne pour vous. C'est vrai, papa. On peut prophétiser le Jésus. Dieu me dit, madame, ton ministère. Abonne-toi. On a pas pu prophétiser. Mais nous sommes le mois de mars, précisément 17 mars 2020. On appelle ça prophétie avec précision. Vous allez marcher avec moi. Accélération. Ami, elle est déjà au top. Nous sommes dans le mois de mars. Mois de mars. Quelqu'un dit. One. Avril. Avril. Mai. Juin. 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 23 août. 23 août. Wow. Tu reçois la grandeur. Aïe, putain. Aïe. J'ai une église, mais je dormais dans l'église. C'est là que j'habite. Et la semaine suivante, en même temps, Dieu m'a fait grâce. Le Dieu original m'a fait grâce avec une belle maison. Regarde ça. Quelqu'un qui dort
à l'église qui ne sait pas. Regardez ça. On lui a donné ça. Ça comme ça. On fait comme ça. Et à quand non? C'est comme quelqu'un ne veut pas maison. Regardez ça. Hey! Seigneur Jésus. Amen. Il y a ceux qui peuvent parler et Dieu même sera pressé d'accomplir. Et ceux qui peuvent parler, Dieu va mettre du temps pour accomplir. Acclame très fort Jésus. Amen. Dans le même mois, Dieu m'a encore fait grâce. Le Dieu original m'a encore fait grâce avec un terrain pour mon église à Nest. Église à Nest. Regardez ça. Attends, regarde ça. Ça, c'est église à Nest. Quand il a rencontré, il a dit, c'est ce qui est sorti. Grande église. Acclame Jésus. Et après ça, je me suis étonné, très étonné que je vais à la radio et il y a des miracles partout. Je dis aux gens, achetez une bouteille d'eau et je vais prier après le message et vous allez boire. Après, on m'appelle, dit, pasteur, vous venez de prier pour nous à la radio et voilà que je suis guéri, voilà que il y a eu tête chaude, il y a eu des miracles. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Et nous, quel est John? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Même au cours du culte, je vois qu'il y a des miracles partout. Je dis, mais ou bien, je fais quoi? Je suis, même jusqu'à mes amis, pasteurs, mes collègues, pasteurs me disent, mais Ange, tu es rentré dans quoi? On va te demander, tu es rentré dans quoi? Parce qu'à cause de ton bonheur là, on va te demander ça. Acclame encore Jésus. Parce qu'avant chaque culte, je prends mon carnet de partenariat avec l'eau de partenariat et l'huile de partenariat. Et je prie, je mets mes pieds sur le carnet de partenariat. Je dis, je me mets dans les chaussures de mon papa, Wilfried Assogba. Et je vais. Des fois, je monte sur l'autel en même temps. Je vois des manifestations partout. Les gens tombent partout. Les gens tombent seulement. Je dis, mais c'est quoi ça? Les gens tombent seulement. Quand j'ordonne, je dis, mais dans cette rangée, je veux voir 20 personnes se manifester. Je veux voir 30 personnes. Et c'est calé. Les gens tombent. Moi, je suis papa à la télévision. Tout ce qu'il fait, je répète dans mes cultes. Et vraiment, ça marche. Bien aimé, il faut copier simplement. Daddy. Il n'y a pas effort. Quand tu vois, tu copies. Et tu prospères. Il n'y a pas autre chose. Il est professeur, n'a professeur. Ah. Maintenant, parce que le jour où j'étais venu ici, Daddy a prié pour moi. Je suis tombé plusieurs fois. Et lorsque je suis retourné, il y a mes collègues, pasteurs qui disent, mais comment est-ce que tu tombes en désordre comme ça? Et maintenant, ceux qui m'ont dit ça, maintenant, viennent s'agenouiller devant moi. Prophète, prie pour nous. Merci. Alors, avec tout ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit? Il y a un homme de Dieu qui traverse encore le désert, qui n'a pas encore trouvé le bon endroit. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Hier, le pasteur qui avait prêché a dit d'être connecté à la source. Une fois que vous êtes connecté à la source, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire des efforts. L'onction du Père va travailler à votre faveur. Amen. Il faut être connecté à la source et l'onction de notre Père va travailler. Tu n'as plus besoin d'efforts. Acclame Jésus. Merci beaucoup, prophète.